Et bonjour tout le monde, c'est Ti. Aujourd'hui on se retrouve là pour la suite de TCG 4 Shop Simulator. Alors, on a toute la licence là. Là j'ai refait des boosters si je me souviens bien, tout est propre. Les cartes que j'ai mis en plus, regardez celle-là, 30%, 30%, 20%. Tout au-dessus de 100, je mets à 30%, ça part en dessous, ça met, je mets 20%. J'ai mis les destins ici. Voilà, il n'y en avait qu'un petit peu, mais on a quand même une belle carte à 53$ et 33$ en vente. Donc c'est pas mal. Niveau classeur, comme vous avez pu le voir sur la miniature d'hier, on a fait une famille. Je suis assez content. Et niveau prix, je crois qu'on n'a pas eu grand-chose. On n'a pas... Je ne sais même plus ce qu'on a eu pour être honnête hier. Si, on a eu une celle, je crois, hier. Et d'autres à 1000. Mais la valeur est sympa. On a 1032 cartes sur 1332. Il nous manque que 300 cartes. Et je pense qu'on va pouvoir y arriver un jour ou l'autre, de toute façon. Sinon, si vous l'entendez à ma voix, peut-être j'ai passé quelques heures durant ce week-end à faire des réglages pour le micro pour éviter qu'on entende trop le ventilateur de mon PC, même si certains ne l'entendaient pas, d'autres l'entendaient. Ça me perturbe, je suis quelqu'un qui est très maniaque, du coup j'ai fait des réglages. Normalement, j'ai une voix beaucoup plus claire, beaucoup plus forte aussi. Mon micro il est assez loin, mais on m'entend plutôt bien. Waouh, 250 balles déjà. Et normalement on ne devrait pas entendre le ventilo, ou on devrait l'entendre plus atténué. Donc, voilà. Je vous parle de ça parce que j'ai besoin de vos retours. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, comme vous avez pu le voir. Parce que j'aime tout simplement vous montrer les jeux, jouer avec vous, voir vos idées. Vous l'avez bien remarqué qu'à chaque fois que... Enfin, une grande partie, lorsque vous me proposez une idée ou de me dire quelque chose, fais ceci, fais cela. Bien sûr, de façon bienveillante, hein, pas sous forme d'ordre. Généralement, je le teste pour voir si ça marche, si ça peut me plaire ou quoi que ce soit. Donc moi, j'aime bien ce côté où on joue en fait tous ensemble. Et je veux que les vidéos restent quand même de qualité, et que ça soit agréable pour vous, et que vous continuez tout simplement à jouer en quelque sorte avec moi. Il faut que je m'améliore, quoi. Et j'ai réglé le micro. Normalement, pour moi, ça va. J'ai fait les tests avec des personnes pour savoir s'ils m'entendaient bien. Donc, normalement, c'est bon. Et voilà. Donc, voilà. Et du coup, on va jouer. On avait gardé 2000$. Je sais pas si j'ai... 5, 6, 7, 8... je sais pas si j'ai payé les factures. Hop. On va voir. Et du coup, si vous m'entendez mal, je peux me rapprocher comme ça. Mais je pense que là, vous allez avoir les oreilles explosées. Et je dois avouer que mettre le micro comme ça, ça m'arrange énormément. Parce que comme ça, je peux être un peu plus à l'aise sur mon fauteuil. Donc j'espère que tout va bien. Et j'espère que je vais pas faire une journée pour rien. Hop. Et du coup, pour les gens qui regardent la seconde partie... Waouh, 373$. Je le dirai aussi. Hein. Mais pour l'ouverture, comme l'a dit... certaines personnes l'ont dit entre vous dans les commentaires, mettez le x2 dans la vidéo. Et voilà. En tout cas, merci... Merci de donner les petites astuces que vous utilisez aux autres personnes, c'est très gentil. Hop, 12$. 16$. 2 comptes et bon. 45$. 5, 6, 7, 8... On est pas mal là déjà, 17. Hop, je voulais juste prendre la tablette, facture, tout est payé, nickel. $34.
$5. Je vais peut-être revendre l'étagère aussi parce qu'elle sert à rien. $31. On enchaîne, on est bon. $18 pour vous. Et on est level 36 magasin. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas des nouveaux employés. 48. 14. 42. Rapide. Ou alors j'attends le level 45, je sais pas. Vous avez combien d'employés, vous? $29. $12 pour vous. 195. Oh. 350, $17 pour vous. Décidément, les gens sont bien généreux aujourd'hui. $7. $40, je vends $4. J'aime bien quand les cartes elles coûtent cher. Enfin d'ailleurs, qui n'aime pas quand les cartes coûtent cher, quoi. $8. Le compte est bon. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est les vacances pour certains, donc bonnes vacances. Noël approche. C'est plutôt cool. Mon anniversaire aussi. Même si je le fête pas. $130, waouh. $12, 15 $ celle-là. 54. Dédé, $3. Pam, pam. $136, le compte est bon. Monsieur, $3 pour vous, tenez. $12. Celle-là, je l'ai eu en triple exemplaire hier. Franchement, $42, propre. $5. Celle-là, 30% du mal à partir, mais elle va partir. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Genre les mettre à 20%, perdre 20$, un truc comme ça, et les vendre directement? Ou les mettre à 30% et attendre un ou deux jours pour les... Oh, du rose! Pour les vendre. Et un bon prix. Moi, je pense que attendre un ou deux jours, c'est bien. Voilà, regardez. C'est un peu cher, mais il l'a pris. 30%. $86. Ah non, c'est pas la 30%, c'est la 20%. $99. Je mets la 30% au-delà de $100. $20. $66. Attendez, j'allume parce que là. Je vais mettre un truc anti-tupux vite fait.
12 to off. Soixante, 107, 20, 217, 5 $ à. Et on va avoir encore pas mal d'argent ce soir. Ah, je suis les 9000 balles là, non? Il reste quand même quelques heures, si ça, 3 heures. On peut peut-être arriver au 9000. Tu veux vraiment ça? Franchement, c'est le but dans ta vie, c'est d'avoir ça. Donc achète, achète, achète. C'était rapide. J'aimerais bien tellement qu'ils achètent les rouges là. Limite, je pourrais mettre les rouges au prix du marché, quoi. Ça serait pas déconnant. 54. J'ai bien fait d'affaire toute la distance parce qu'elle coûte quand même pas mal cher en vente à l'unité. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. 73. Une petite carte. 21 balles tonnées. Allez, les 9000 là, les gars. Non. Le compte est bon. $34. Ah. $8. Ah. 322 $. C'est bon, les rouges partent à ce prix-là. Parfait. Ah, ça en fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et allez, les 9000. Est-ce qu'on va tenter les 9005? Est-ce qu'on tente les 9005? Ah ouais, non, on va peut-être faire les 10 000. Non, quand même pas. Faudrait des trucs de ouf là. Vas-y, achète, achète, achète. Je peux pas avoir le don de... de forcer les gens à acheter mes trucs. Ça serait bien. Oula, voilà. Si j'achète que un truc, les 9005 vont avoir du mal à venir là. 10, 11, 12. Voilà, 9005. 110. 110. Oh! On attend de voir si. S'il y en a 40, qui rentrent dedans. Ok, il y en a qui rentrent dedans encore.
Ouais, je doute qu'il va. Ouais. On était proche des 10 000, hein. On va valider la journée. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, je paye mes factures et comme d'habitude, je vais restocker le magasin en vitesse et je reprends pour la journée suivante. Et re les gens! Alors, j'ai tout rangé. Bon, les cartons, hein, désolé, voilà, hein, c'est Robert. Robert ne veut pas ranger les cartons. Il n'y a pas de place pour ranger les cartons, de toute façon. Il nous reste 5877$. On en fait quoi de ces 5877$? On a niveau booster. On a tout. On pourrait commencer ça. On pourrait commencer ça, tu vois. Accessoires. Pourrait faire un autre tapis, voire même deux autres tapis. Ok. Ah bah, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. On va faire ça. Hop. Et je vais prendre. Voilà. Et figurine. Figurine, je veux des trucs spéciaux. Je veux un beau truc pour les présenter, mais il n'y a pas grande étagère personnelle. Immense étagère personnelle. Ouais, il n'y a pas les figurines, je suis obligé de les mettre dans un truc comme ça aussi. Ouais. Je suis mitigé. Combien? 4005. Mille cinq cents. Donc là, en fait, je pourrais genre faire un truc comme ça. Non. Casse-toi de là. Bah. Voilà. J'arrive pas à le déplacer. On va prendre donc un nouveau meuble. Voilà. Et voilà. Du coup, on prend d'autres accessoires. Donc, tac, tac, tac. On va prendre une. Et une BD. Et voilà. J'ai payé une facture. Oui. Thank you.
Ouais, j'aurais dû en prendre deux, tout ça. Ok. Et ok. On est tout bon. On va ouvrir. C'est bien, hein. Oula, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé. Alors pourquoi j'agrandis pas? Parce que le loyer coûte cher, je trouve quand même. Et je me dis qu'avec plus de produits, les gens achèteront quand même plus. Et je veux optimiser à fond le machin avant d'agrandir. On va voir combien je fais là, si je fais du 6000 balles ou pas. En vente normale. Tu. $3. Monsieur, le compte est bon. $32. Le compte est bon. Le compte est bon. C'est tellement bon marché. Bah merci. Peut-être mettre à 30%. Enfin 20% plutôt. $11. Monsieur. La protection. 48 pour vous. $42. $3 pour vous. 18. 11. Dix-sept. 38. Le compte est bon. $1. Le compte est bon. Ok. Plus vite, plus vite, plus vite. Venez plus vite. Venez en courant. Achetez des paquets rouges. 48 pour vous. Achetez mes packs rouges. J'ai l'impression qu'ils sont radins aujourd'hui, qu'ils achètent pas autant que d'habitude. Voilà, bon, c'est pas mal, mais bon. $152, c'est tout, quoi. Ah. 22 pour vous. +67. $4. Le compte est bon. $18.
tout. 3027 $, ok. Prix raisonnable pour un Fire Battle Lake. Car des prix, enfin les noms en anglais. Oh, 62. Le compte est bon. Oh. Ah ouais, je pensais que ça allait coûter plus cher quand même. 24 $, tenez. $4. Le compte est bon, merci. Allez, voilà, on va dépasser les 5000 easy, je pense, bientôt. Attends, il y a encore du pchit-pchit. Il en manque un. Il en manque un. Oh, un petit rose, 187 $. Et 20 $. Ouais, il n'y a que des cartes à 10, 11, 12 balles. Plus les anciennes, donc... on va pas faire grand-chose, hein. Faut vendre les deux premières et on sera heureux. Il faut trouver le pigeon adéquat. Madame, 5 $, Tony. Monsieur, ok. Ok. 15 $ pour vous, Tony. Monsieur, ok. Monsieur, 1, 2, 3, 4. Allez, 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 on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, dépêchez-vous. Le compte est bon. Oh oui, vous voyez, il a acheté une à 30%. Nickel. 80. Vingt-quatre. 165, voilà. Parfait. 100 balles tout pile. Donc il reste une à 200 et des poussières, là. Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. 2 $. 4 $. 34, 47, 55,
Merci de là pour vous, tenez. Monsieur. 2 dollars. 4 dollars. 29. 92. 39. 38. 32. 24 dollars, s'il vous plaît. Parfait, monsieur. 8 dollars. Monsieur. 20 dollars. 31 dollars. 22 dollars. 22 dollars. Le compte est bon. C'est celle qui coûte... Oh, allez. Et voilà, 295 balles. Voilà, 30%. Voilà. Voilà, faut juste être patient et attendre. De toute façon, on n'allait pas vendre d'autres cartes à 8 balles, quoi. Parfait. Et il est content. Le compte est bon, 204 dollars. Seize balles, 12 balles, 28, 186, j'aime ça. Est-ce qu'on va dépasser les 8000 avant la fin ou pas? Je pense pas, non. Je pense pas. Oula! À moins qu'il y ait des gens comme ça qui... Ah bah non, c'est pas cher en fait. Il y a moyen, mais bon. Mais donne $4. Annulé, 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 annulé. Je me suis trompé de touche. Bah, achète. Ah oh bah je viens à peine d'acheter le un nouveau hein, on peut pas tout acheter hein. Ah d'accord, tu te casses en plus, ok. Bon, on va voir combien on a gagné. 5620, moins de 1000 balles qu'à hier, ok. Ouais, c'est pas grave. Du coup on passe au jour 59 et comme à notre habitude je vais ranger tout ça. Commander des cartons pour la seconde vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.